Et salut tout le monde, c'est Gab35 et on se retrouve donc pour l'épisode 29 de Assassin's Creed 4. Donc comme on l'avait dit dans le dernier épisode, on va aller explorer. On va finir Kingston si je me trompe pas. J'augmente un peu le son. J'espère que le son de ma voix est bien par rapport au jeu. Non, non, ça doit être bien. Quoique, je sais pas. Je pense que ça va être un petit peu fort dans les combats navals. On va peut-être juste baisser un peu le son après. Je sais pas voir. Pour le moment, je pense que ça passe. Donc c'est parti pour le moment. Alors on va chercher. Je vous remontre un peu où on en est. Donc on n'a pas de fait à la taverne. 6 points sur 9. Il me reste 2 contrats, 4 coffres, 3 partitions, 5 fragments et 5 secrets. Putain, j'ai trouvé aucun secret quoi, lol. J'espère qu'ils sont pas galères à trouver. Donc je suis avec un costume trop swag. What? Désolé si il y a eu une petite coupure de son du jeu. Je vais juste régler ça. Ça m'a fait un retour Windows tout seul. What the fuck? Bon allez, c'est parti. On synchronise et on va conquérir cette ville. Putain, non, on se croyait les rois du monde quoi. C'est un peu ça. Bon, bah, juste la position qui est pas très swag, mais c'est bon, ça va. Ouais, du coup, on saute. Ah, d'habitude, il y a peut-être un fragment. J'espère qu'il n'y avait pas de fragment en haut. J'ai pas envie de remonter. Bon, du coup, il y a un secret ici. Déplacement rapide. Ok, on va. What? Saint-Jurleur, on s'en bat les couilles. Ok, c'est parti. On va chercher le fragment. On va chercher le fragment, puis après, on ira prendre la partition. Du coup, je sais pas du tout il est quelle heure. On va essayer de faire un épisode de 30-40 minutes, comme d'habitude. Ok. Fragment pas très dur je pense à le prendre, quoique c'est souvent les plus simples qui apparaissent être plus simples qui sont chauds. Du coup faut aller sur le toit et je sais pas comment on va sur le toit. Non putain, voilà. Ah, c'est tellement bien fait le décor que des fois ah, si là je pense, voilà, nickel. Ce serait trop classe que quand tu passes le toit il s'écroule et tout. Hop, et voilà. On a notre fragment, on a le secret qui est juste là, qui est protégé en plus. Alors, on se la fait en mode quoi. Il y a 2-3 gardes. Il y a 3 gardes, d'accord. Il y a le secret juste derrière. On se la fait en... Poc, poc, poc. What? Il se relève. D'où il se relève? Ouais, c'est des gros barres. Les barrages. Bim! Non, il va pas se relever. J'ai cru que lui allait se relever, tu sais, en prenant 2 balles. Fléchette soporifique. Plein. Ouais. Bon, du coup, on va prendre notre petit secret. J'espère que c'est un truc intéressant. Un manuscrit. Je crois qu'on s'en bat les couilles. Si quelqu'un sait à quoi ça sert les manuscrits, je veux bien. Parce que en fait, je crois que ça doit être des trucs historiques. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. L'histoire. Voilà. Sauf que moi, j'ai pas envie de lire. Tout ça. Ouais, j'ai l'impression d'avoir des petits coups de lag. Des gros coups de lag. Non, c'est bon. Je sais pas si c'est à cause de la ville qui est grande ou. C'est pas normal. Non, je suis. Oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je lag. Est-ce que. Je crois que je vais devoir faire une petite ellipse, du coup. C'est dans mes record frac. Dans mes record frappe. Désolé. Bon, du coup, je fais une petite ellipse et on se retrouve juste là. Désolé. J'ai l'impression, ouais, je lag, ça va pas être agréable pour vous regarder, donc je fais une petite ellipse, ça tout de suite. Et re tout le monde, désolé pour cette ellipse, on reprend du coup. Juste quelques réglages qui allaient pas. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. On va essayer de pas la louper, cette partition. On sait où elle va, c'est bon, je la chope. Nickel. What, il y a toujours du lag. Alors, je sais vraiment pas pourquoi ça lag. J'ai
chute d'FPS. Bon, c'est assez bizarre. Bon, si ça recommence, je vais redevoir faire une ellipse. Du coup, bon, alors on va aller chercher. On va où du coup? Voilà, champ. Et après, on aura à faire un contrat d'assassin. Du coup, j'ai bien envie de leur écrabouiller la tête à ceux-là. Ok, il y a des gens bizarres qui parlent autour de moi. J'ai bien envie de les écrabouiller la tête. Ah là là. Oui, j'ai une vague impression. Je sais pas ce que ça va rendre dans la vidéo. Ouais, oulalalala. J'ai crash, j'ai l'impression. Ça, c'est injouable. Je sais pas. Alors, là, je sais pas, mon record, mais j'ai l'impression qu'il me fait lag. J'ai dû changer des. J'ai changé des réglages pour record du Minecraft, mais ça passe pas du tout sur AC4. Bon, là, il y a des gros lags. Bon, désolé, du coup, je refais une ellipse. Encore désolé. Et voilà. Bon, normalement, là, ça devrait être bon. Si c'est pas bon, je comprends pas et j'ai pas d'autre solution. C'est ma dernière solution. Bon, du coup, c'est parti. On est reparti. Alors, vas-y, monte. Comment on peut pas monter? Ok. Non, elle est partie. Non, elle est pas partie. Ouais, okay. Comment on peut l'avoir? Comment on peut la choper si elle est tendue? Non, putain, le perché, il me tient une balle. Vite. Il va me tirer la balle, voilà. Ça, c'était sûr. Et la partition qui part. Allez. Ouais, du coup, là, je vais pas l'avoir. Je pense beaucoup trop à la bourre. Ah, quoique. Ah oui, je l'ai eu. Ouh, GG à moi. Je ne pensais sincèrement ne pas l'avoir. Du coup, on va là. Ok, je suis recherché par toute la police de Londres. Non, je rigole. Je sais pas si c'était ça dans la vraie vie. Hein. Il y avait des gardes comme ça partout. Ils ont rajouté ça juste pour l'autre. Je pense pas qu'il y avait des gardes. Quoique c'est possible. Je sais pas. Je suis mauvais en histoire. Honnêtement, j'aime bien l'histoire, mais bon. Tout retenir, toutes les dates et tout. Bon, ça c'était simple. Easy win. Hop. Fragment d'annulissement. Il y a deux par là-bas. Je suis recherché par tout le monde, quoi. Voilà. Ah, t'as 7 soldats comme ça qui arrivent derrière moi. Hop, on sort de la zone jaune. Il y a la mini carte en bas. Donc je sais que là je suis plus recherché normalement. Je suis plus dans la zone jaune. Sauf si un soldat vient me chercher ici, mais je ne pense pas. Du coup, faut faire quoi? Faut peut-être sauter. Je sais pas si je vais pas l'avoir. Voilà, j'étais sûr. Ça serait trop simple, les amis. Là, ça se complique. Hein. On voit honnêtement que le jeu là, faut sauter. Chercher des solutions pour choper ça, c'est abusé. Non. Là. Mais non. Si on monte encore un peu et qu'on saute vers là. On peut pas. Comment on prend ses forces? C'est des trolls ça. Allez, tends ta main là, chope-le, putain. Faut sauter en fait, faut sauter avant peut-être. Oui. Oh putain, c'est vraiment un truc de fourbe leur truc. Là du moins j'ai compris la technique quoi. Faut sauter avant le toit. Je sais pas s'il y en a qui étaient bloqués, qui n'arrivaient pas à les choper, mais en tout cas j'ai trouvé, je suis content. Parce qu'il y en a qui devaient dire ouais c'est impossible et tout. En fait, faut juste réfléchir 3-4 fois quoi. Bon, du coup celui-là comment on le chope? Faut monter en haut de l'arme. Comment monter en haut de l'arme? Monter sur le toit. Puis monter sur l'arme. What the fuck. Et voilà, j'ai loupé. C'est bien ce que j'ai dit, ça se complique. Oh, putain, je dois te recommencer. Il y a du niveau. Honnêtement, au début du jeu, les trucs ils étaient donnés, mais puis maintenant quoi. Et voilà. Deux tentatives fail. Bon, là du moins j'ai compris le truc où faut aller, où faut sauter. Il y a juste à bien réussir le jump du coup. Mais non, mais comment c'est possible? On peut pas monter plus haut. Là je vais sauter trop loin là, on est d'accord.
je vais sauter trop loin, je sens pas. Hey, on saute au-dessus du fragment. C'est pas normal. Y'a pas moyen de... Ça fait quoi si on tire une balle dessus? Ça devrait le choper, là. Ça envoie le fragment en l'air et il retombe après, quoi. Non. Ça se passe pas comme ça. Ça se trouve, y'a même pas besoin. Y'a peut-être moyen d'ici. Si on monte là et qu'on saute, on fait le saut de l'ange. Non, il veut pas. Alors là, les amis, je sais pas. I don't know. Est-ce qu'on peut monter de l'autre côté? Ça va m'énerver s'il m'en reste un, juste un, pour valider la ville. Mais non, on saute beaucoup trop loin. Gab, réfléchis. Je vous dis hein, que le niveau s'augmente de plus en plus. Et là, vous voyez, je galère sur un truc. Alors, sûrement, il y en a qui ont déjà trouvé ce fragment. Ou je sais pas si vous avez réussi à le prendre. Ça doit être un truc tout con. Si je saute, je vais trop loin. Il faudrait que je saute de cet arbre-là, peut-être. Et oui, j'ai peut-être trouvé. Voilà. C'est peut-être ça. Il est où, ce fragment? Ouais, non, peut-être pas. Ah, faut peut-être aller de la maison. Oh, tendu. Là, c'est tendu, là. Oh. Je suis triste. I'm too late. Honnêtement, c'est galère, hein. Jamais galéré autant pour juste un fragment. Mais j'ai déjà tout essayé, les gars. Et honnêtement, je sais pas s'il y en a qui savent dans les commentaires. Je crois que je reviendrai le chercher en solo, ce fragment. Ou... Bah, j'aimerais bien vous montrer, mais... Je crois que je vais jamais le trouver, hein, ce fragment. Il y a peut-être... Moi je dis, il y a peut-être moyen d'aller sur le petit pic là, en contournant l'arbre comme on fait des fois. On va essayer. Honnêtement, je pourrais rester une heure à chercher toutes les possibilités de trouver comment prendre ce fragment. Est-ce qu'on peut s'accrocher au petit pic? Non, pas à travers. Ok, on va aller. Ok, on tourne de l'autre côté de la branche. Est-ce qu'on peut faire une... On peut pas sauter là. Mais là, si j'appuie sur E. Ok. Est-ce que il y a moyen d'aller plus haut? Non. On va essayer de cet arbre là. Non. Alors honnêtement, est-ce qu'on peut monter directement? Oui, on peut monter directement. Ça me stresse de pas pouvoir prendre ce fragment. Je vais tirer une fléchette dans la gueule. Fragment de merde. Attends, mais... On est largué par un avion ou c'est quoi le truc pour le choper? Alors s'il y a quelqu'un qui sait, honnêtement je veux bien. Il n'y a pas moyen de monter plus haut dans cet arbre là. Mais honnêtement quoi, c'est impossible d'aller chercher ce fragment. On est d'accord, c'est obligé d'être... Pour moi c'est d'ici quoi. Il y a un moyen, je sais pas, pour pas sauter loin. J'appuie sur mage là. Mais regardez comment il saute là, il peut pas sauter moins loin pour une fois. Allez, on tente le saut. Ouais. Non. Mauvaise idée. Est-ce qu'il y a moyen de sauter? Faudrait qu'il... Ah, j'ai... Alors, si on appuie sur espace, qu'on est en dessous. Si on appuie deux fois sur... Une fois sur eux, quand ils se balancent... Non, ils se laissent tomber, putain. Je veux pas que tu te laisses tomber.
Oh, il fait nuit. Oh, la grosse galère. J'ai peur de la nuit, les gars. What, on peut pas monter. Et voilà, il fait nuit, les gars. On voit plus rien. Et on va passer la nuit. Putain, ça fait au moins 10 minutes que je suis sur ce fragment, quoi. On va faire un épisode pour un fragment. Je crois que je vais devoir abandonner. C'est la première fois dans ce jeu qu'un truc est trop dur pour ma cervelle. Honnêtement, comment c'est possible? Qui a réussi à prendre ce fragment, quoi, bordel de merde? Qui dans le monde est assez intelligent pour prendre? Alors, Michael D, je sais pas, ou si tu y a un connaisseur qui a fini le jeu à 100% ou n'importe qui, ou Michael D, je sais qu'il a fini le jeu. Comment t'as fait pour prendre ce fragment, bordel? Comment c'est possible? Moi, je fais le théorème de Pythagore, là, et je peux démontrer que A plus B au carré, ça fait pas C au carré. Non, mais... En fait, j'ai A, B, le côté, les deux petits côtés, là, par rapport... Je connais mon théorème de Pythagore. Non, mais... C'est mieux, je m'embrouille, j'ai de la merde, voilà. Pourquoi il saute, là? On va aller chercher un civil, je crois. Il y a un truc, là, hein. Tu peux pas venir m'aider. Mais honnêtement, quoi, il peut... Pourquoi il saute aussi loin? Il pourrait pas voir qu'il y a le fragment et sauter moins loin, je sais pas. Alors, je sais. On va sauter à l'opposé, il y a peut-être un... Voilà, viens m'aider, toi. Wesh, 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 là, fuis en courant, là. Voilà. Bon, du coup, bah... Je sais pas. Je reviendrai dans un autre épisode si... Honnêtement, on saute trop. Comment cet homme peut sauter aussi haut, quoi? Faut m'expliquer. Je vais pleurer, je crois. Putain de fragment de merde, les gars. Il est impossible à prendre. On peut peut-être aller de l'autre côté. Non, mais il va pas là. Oh! Comment t'as fait ça? Edward, saute! Il est juste au-dessus de nous, le fragment. Il est même pas au-dessus de nous, il est un petit peu décalé. Et oui, fallait sauter sur la... L'autre fois, j'avais sauté sur la cheminée. Mais là, je sais pas pourquoi je peux pas sauter. Comment on saute sur place? Ah d'accord. D'accord. Alors si je connais pas toutes les touches aussi, je suis... Allez. Allez. Avoir... Ah d'accord, on peut se suspendre. Ah, quand on saute, on peut peut-être sauter, choper la branche au-dessus. Ok. Je découvre des touches et... Ah, j'ai compris. Les gars, je crois que j'ai compris. Alors, on appuie sur mage. On appuie sur E. Oh, je suis content, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors voilà. Attends, je vais vous dire quand même, si vous n'avez pas réussi à le trouver, faut appuyer sur mage. En fait, faut pas sauter loin. J'ai trouvé la technique. En, je sais pas, en 40 heures de jeu, je sais pas combien d'heures j'ai passé sur le jeu. On appuie sur mage, on appuie sur E et on saute. Dans la direction, et voilà, on se laisse juste tomber. Et ben. Enfin, au moins, je suis content. Je suis pas allé sur internet pour savoir comment nous. C'est oui, c'est avec le coup de la cheminée que je me rappelle en fait. En vrai, bon, alors du coup, il nous reste où des fragments? On va aller à la caverne, on va aller là-bas, puis après, on va aller de l'autre côté de l'île. Bon, désolé si on a passé un peu plus de temps. Bon, du coup, on fera un épisode un peu plus long. Je sais pas. En plus, il y a eu plein d'élites. Encore désolé pour cet épisode 29. Le 30 sera
mieux, j'espère. Alors là, on fonce à la taverne, on va finir cette ville déjà. On aura passé, imagine, une nuit à chercher un fragment dans la vraie vie, lol. Voilà, lol. Ah oui, on peut se déplacer rapidement dans la ville. J'aurais dû. Faut que j'utilise ça en vrai, je dis jamais. Placer marqueur. Je crois que c'est sur ces trucs comme ça qu'on peut. Et oui, putain, depuis le début du jeu, je sais que je peux me déplacer rapidement avec les points d'observation et j'ai jamais fait. Je suis dégoûté. Du coup, on va à la taverne. Si ça se trouve, je l'ai passé. Non. Je ne dis pas de la merde, j'ai pas passé. Juste là, 57 mètres, c'est parti. Et du coup, après, on va de l'autre côté de l'île. Je sais pas ce qui nous attend. Il y avait un contrat d'assassin sur cette île, je crois aussi. On va voir ça. Bon, là, va falloir casser la gueule à plusieurs personnes. Voilà. On fait maltraiter, comme d'hab. En pleine nuit, en plus. Boum. Et de 1. Et de 2. J'aurais pas aimé. Ils donnent quoi? Des balles? Ouais, ils ont des balles sur eux. Alors, à la taverne, je sais qu'on peut boire normalement. On va voir ce qu'il y a dans cette taverne. Alors, il y a des jeux. Bon, je pense pas que vous voulez faire des jeux. C'est quoi ça? Ok, ça m'intéresse pas ce jeu là. Tu cherches des bons loups-mères, capitaine? Recruter équipage. Ok, mais mon équipage est rempli. T'as 8000 pour c'est rien. Là, il va nous donner des informations comme d'habitude, là, je crois. Non, il ne donne pas d'informations. Putain, mais je suis bourré, là. Oui, normalement, il nous donne des informations. Voilà. Putain, je me suis bourré la gueule pour rien, quoi. Alors, c'est quoi ces informations? Yes! Ouh, difficile, il nous donne un truc difficile. C'est vers où? D'accord, on ira jeter un coup d'œil plus tard. Faut vraiment que je le fasse. Tous ces coffres en fruits. Et lui, il veut quoi? What the fuck, le jeu? On s'en bat les couilles, on y va. Vas-y, on sort. Désolé, bon allez, alors on va de l'autre côté de l'île. Non, il y avait un contrat là, je crois. Ici, ok, pour l'observation. On y va. C'est vraiment clean, vraiment classe. En plus, on reste pas dans l'eau, je savais pas. Là, je commence à avoir des trucs quand je fais ça. J'ai toutes les partitions et la taverne, vu qu'une avec une. Le contrat d'assassin, on va le chercher. On va voir. J'espère qu'il est sur l'autre côté de l'île. Ou ah ouais, dis-moi ça, mais j'espère qu'il est sur Kingston. Sinon, on va devoir bouger et tout. Le chef d'un avant-poste militaire situé au nord-ouest est un templier avéré. Tuez-le. Bon, allez, on va se la faire en mode discrète. On va essayer, on va pas se la faire avec je sais pas. Alors il est où? Là-bas. Si on voit là, ça va être plus rapide. Non, je vais utiliser tout le temps ça quoi. Quoique le chargement et le temps du saut, ça nous fait peut-être perdre du temps, je sais pas. On va voir. Oh, il est tout en haut. On va peut-être pas prendre une bombe, on se la joue aux fléchettes soporifiques, moi je vous dis. What? Les gars, galère à sauter un muret de 20 cm de haut quoi. Non, oh merde, putain, je suis pas dans une. Non, putain, je.
Ah voilà, je me suis déjà fait cramer alors que je suis même pas arrivé au truc. Au point. Ah, je suis mauvais sur ce coup, non. J'espère que c'est bon. Oh putain, arrivé de renformer, c'est quoi le délire là? On s'est sûrement passé des gardes là. Est-ce que si on se la joue? Est-ce que si on se la joue comme ça? Ça passe. Ok. On va se la jouer aux fléchettes soporifiques, j'ai envie. Ok, ça c'est un sauvegarde. Sauvegarde, sauvegarde. Il doit être, ça doit être en celui en haut de la mini carte là, je pense. Il faudra l'attirer. Mon Dieu, il a survécu. Ouais, on va essayer de le choper. Ok. Bim. Et bim. Ok. Tuez votre cible. 1000. What, j'ai gagné que 1000? Non, mais j'ai pas été cramé normalement, c'est pas de... Je suis pas d'accord avec ça. Bon, du coup, faut aller de l'autre côté. Je sais pas si on peut y aller, si on doit y aller en bateau ou pas. Je pense qu'on peut y aller à la nage. J'espère. Il n'y a même pas besoin, besoin de se poser de questions, puis on peut direct sauter quoi. Alors... Merde, putain, mais... Ah, je suis encore dans une zone, putain, mais dur. Petit double assassinat au passage. Alors là, ça va être de l'autre côté. Ok, ça va être juste de l'autre côté. Ça fait beaucoup de... beaucoup à nager, non? Je pense qu'on ira plus vite en bateau. Je sais pas pourquoi, mais... Quoique, c'est... on peut y aller, je pense. Non, on pourra pas. Il y a de la limite, ok. On est obligé d'y aller en bateau. Moi, ce qui me paraît normal, on va pas... Le gars, il va pas faire 2-3 km à la nage, je sais pas. Il y a peut-être pas 2-3 km, mais... Ah ouais, on est allé à la limite de la map sur... sur la carte. Désolé. Bon alors, on arrive à notre bateau, si c'est notre bateau, ouais, nickel. On va prendre notre bateau et on va aller de l'autre côté de Kingston. Putain, j'ai l'impression d'avoir rien fait dans l'épisode. Avec cette histoire de fragments qui nous a pris 10 minutes. Il fallait que je change la barre. Naviguer en mer. Naviguer, je sais pas. Oh putain, je fais une connerie. Ça se trouve, j'aurais pu y aller à la nage ou contourner. Je sais pas du tout comment ça se passe. Parcourir la partie sud de l'Inquire pour découvrir des plus grands navires transportant des récompenses plus importantes. Ouais, ça je m'en doutais. Ouais, plus on va vers le bas, plus c'est des gros trucs. Ok, c'est cool parce que je suis sorti de Kingston et j'aurais pas. J'ai fait le con... Je sais pas si on peut y aller en plus, je sais même pas si... Il faudrait que j'aille là, quoi. Merde des Caraïbes. Déplacement, je vais y aller là-bas. Pourquoi on peut pas y aller? Non, mais je veux aller à Kingston, je veux pas partir. Putain, il y a plein de bateaux, là. Il y a en plus des gros bateaux. Mais du coup, demi-tour, hein. Perte de temps les gars, désolé mais... Alors, on revient à Kingston, cette fois, je sais pas si ça va nous mettre un chargement, cette fois on va aller à droite. Ouais, ça va nous mettre le chargement. Oui, je vais aller à Kingston, mais à droite, bordel.
en bas des Kingstone. Il va nous mettre en... Putain, je sais pas du tout comment c'est possible. Ça se trouve, je peux pas encore y aller. Je sais pas du tout. Si vous savez, s'il y en a qui savent, mettez dans les commentaires. Non, ouais. Je sais pas si ça y est. Une... Honnêtement, on peut pas, je pense. Faut y aller par le bateau qui est en train de l'épave là-bas. Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas là comment on pourrait y aller. Je sais pas du tout. Le juge, ok. Ah, c'est tendu parce que là je sais qu'on peut pas passer là. Ah non, ouais, on peut peut-être. En gros, faudrait que j'aille là-bas. De là à là. Oh, l'épave elle est là. Honnêtement, je sais pas du tout, les gens. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller à la nage. Mais j'ai l'impression. En fait, ce que je voyais tout à l'heure, c'est qu'on avait. C'est juste qu'on avait pas de point d'observation, peut-être. Je sais pas du tout. S'il faut qu'on y aille à la nage ou pas. On va voir du coup. Il nous reste 2 points d'observation, 1 contrat de l'autre côté, 4 coffres de l'autre côté quand même. Et 4 secrets. Ça m'étonne qu'il y a plus de secrets sur la petite partie que la grande. Je sais pas. I don't know. Ah, il y a un petit coffre là. Ouais. On va avoir 3-4 dessus, compagnie. Moi je parie sur 4 dessus. 3 tissus. C'est pas grave. Y'a pas un secret par là? Non. Bah du coup là je pense qu'il y a moyen vu que. Il y a des petits crabes. Ouais, il y a moyen. J'espère qu'il n'y a pas un truc qui va bloquer. Il y a sûrement peut-être un truc dans l'épave. Si là j'ai l'impression que ça va bloquer, regardez en haut. Ah non. D'accord. J'avais l'impression, j'aurais pensé que ça aurait bloqué, mais non. Du coup là on est sur l'épave qu'on voyait tout à l'heure. En fait je suis ressorti pour rien quoi, lol. On peut plonger, on peut se taper un kiff. Et du coup ouais là les déplacements rapides pour le coup vont vraiment nous faire gagner du temps pour aller un, enfin, le côté qu'on veut de l'île quoi. Ça va être plutôt cool. On voit des gardes là-bas, le juge, on va pointer direct sur le juge là. Vu que c'est le plus près, après on ira au point d'observation, puis on finira la vidéo quand on aura tout fini. Voilà, voilà. Hop. Ok, donc là on ne doit pas être dans une zone. Ouvre cette porte sur le champ. Malentendu. Tu m'entends? Tu réagis stupidement à des calomnies honteuses. Ah. Un meurtrier. Mille. Putain, mais pourquoi j'ai que 1000? J'ai pas fait cramer. Bon, allez, on va aller là-bas du coup. On va choper des fragments. Il y a un fragment juste là, bon, on va le choper du coup. Non, ils vont venir me faire chier. Et... Oh! What? J'ai jamais fait ça de ma vie. Les gars, comment il a enchaîné les deux, quoi. Juste magnifique. Bon, du coup, là, je pense... Ah, un fragment simple à choper. Ça faisait longtemps. Au moins, du moins, go rester. On va rester en l'air, vu que là, on a... Est-ce qu'il y a moyen... C'est quoi, ça? Yeah. Bon, une fois que c'est simple à monter MDR. Le petit faucon qui s'envole. Et il nous restera plus qu'un point. C'est nickel, on aura presque fait tout Kingstone du coup. Dans l'épisode 30, je sais pas, j'ai peut-être envie de faire un peu de la quête principale finalement pendant une heure et demie. Je sais pas. Faut vraiment qu'on avance dans la quête principale vu que. Je sais pas, je sais pas. Je pense ouais quand même. Ouais, je sais pas, je verrai comment on fera. Voilà, il y a un manuscrit. J'ai l'impression que je vais pas trouver tous les coffres du coup. Ça m'étonnerait qu'il y a 4 coffres. Il manque 4 coffres quand même. Je sais pas si vous savez où ils sont. Je pense qu'ils sont peut-être derrière moi.
Il reste un fragment, 4 secrets. Ok, bah là, on va essayer de passer par-dessus. En mode discretos. Pas une sphère de combat là. On peut parler gun quand même. Oh merde, putain, il n'y a rien vu. Ouh. Aïe. Il laisse même pas me. What? Ouais, mais ils sont deux contre un là, c'est pas équilibré, moi je dis. Et les gars, ils tapent dans le vent. Juste pour le kiff de lui mettre un headshot alors qu'il peut pas me toucher. Mais... Et voilà, crève. Un manuscrit. Nickel. Et du coup. Bah, nickel. Alors, il nous reste plus grand chose à faire dans Kingston. Ok, on a eu un truc bizarre. Des manuscrits, honnêtement, si quelqu'un sait à quoi ça sert, ouais, je pense plutôt que c'est des trucs historiques et tout, mais bon, moi ça m'intéresse pas trop. Donc je vais pas vous les lire pendant une heure. On va tous les lire. Dernier épisode, je sais ce que ça va être ça. On va lire tous les manuscrits que j'ai récoltés depuis le début. T'sais. Manuscrit 258. Bon là, ça a l'air d'être un fort assez bizarre. Attention aux zones interdites. Quoi? Panda ici, ils ont l'air d'être plutôt tendus les gardes à faire. Ouais, ils ont trouvé deux corps. Ouais, des ça, on va les prendre. Mais c'est vraiment des géants Kevin quoi. Est-ce qu'il y a moyen de monter par là? Non, ok, bon là ça va péter. Ça va alerter tout le village. En plus les gars, c'est des grosses bêtes de combat. Voilà, il y en a qui arrivent dans la même carte, on peut voir. Putain, il en remet une en plus. Il va se suicider, voilà. Par contre, il m'a mis grave cher aussi. Hop. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'ils font péter des trucs? What the fuck? C'est quoi ça? Fort Charles. J'ai l'impression d'être dans les prisons et tout, c'est trop chelou. Et what the fuck quoi? Je suis sûr il y a une mission qui sera là-dedans. Je suis quasiment sûr qu'il y aura une mission. Hop. Voilà. Ouais. On va y aller rapidement du coup. Toi, au revoir. C'était quoi ça? D'accord. Ça, ouais, je crois qu'il tape à la main. Boum. Easy win. Du coup, je sais pas où ça va nous mener tout ça. J'espère que je fais pas ça pour rien, que ça se trouve je dois le refaire. J'aime. Je sais pas du tout, on va ressortir. Ok, ça servait totalement à rien ce que j'ai fait du coup. Et on ressort de l'autre côté. C'est magnifique. Oula. Oula. Moi je me casse par là. What, mais qu'est-ce que je fais? On en tue un tant que c'est simple de le tuer. Hein. Parce que je pense qu'après ça va être un petit peu 10 fois plus galère quand il y aura tout le monde à mon cul. Il est où, ce point là? Ok, là il y a un truc. Alors, mets-nous ta grenade ou je sais pas quoi. Putain, si j'ai envie de faire un truc. Comment on la jette la bombe fusionne? Ok. Alors. Ok, voilà.
J'ai l'impression qu'avec une bonne fumigène, c'est un peu plus simple de tuer tout le monde. What, celui-là? On tue lui. Ok, simple à tuer. What? Ouh, il m'a mis une sale gifle, les gars, quoi. Voilà. Comme ça, il va nous laisser notre manuscrit tranquille. Mais pourquoi, je comprends pas pourquoi il ouvre pas le coffre, il récupère tout et voilà, il se barre. Bon, il nous reste un point d'observation, deux secrets. Il nous reste toujours les quatre coffres. Hein. Honnêtement, ça. Je sais pas comment on va se débrouiller pour les avoir, mais. Ouais, du coup, je vais avoir 20 personnes à côté de moi. Venez, anonyme, c'est quoi ça? Ça serait pas le dernier fragment qui nous manquerait? Si, je crois, putain. Oh, ça c'est un coup à se faire tirer dessus, quoi. Voilà, on voit les balles, voilà. Ils ont tous des armes. Hop, un de moins. Ah, ça c'est des gens qui viennent, je crois, ça. Les simples gardes, c'est pas les chefs. Oh, oui, alors, lui. Par contre, c'est un chef. Waouh, ça fait mal de se prendre la lame dans la gueule, je crois que il s'en souviendra. Enfin, ou pas. Les combats commencent à être plus chauds et tout, hein. Je trouve là, s'il y a vraiment du niveau, on est à la moitié du jeu. Pourtant. Je sais pas comment ça se finit sur un boss, enfin. Je vois pas comment il pourrait faire un boss, mais. Genre une des putains d'énigmes ou des trucs pour tuer un boss, en mode Zelda, quoi. Je sais pas du tout, j'ai pas fait Assassin's Creed 3. Je sais pas comment ça va finir et tout, putain. C'est pas où on peut monter sur cette tour de merde. Ah oui. Oui, c'est parfait. Coucou, c'est moi. On va recharger le gun au cas où. Maintenant, faut trouver comment on peut mouter. Ça, c'est une autre histoire de mouter. Et comment on peut mouter? What? Ah, d'accord. Oui, bien. J'ai trouvé. Dernier point. Et voilà. On est en Angleterre. Et il classe ce château, je trouve. Donc, du coup, les quatre coffres, je sais pas où ils sont, mais. On va aller chercher ça, du coup. Il y a un coffre là, du moins. Ah, bah d'accord. Et en fait, les deux trucs là nous ont montré tout d'un coup. Alors, les coffres, je sais pas où ils sont, les derniers. Ah, si, un là. Ah, d'accord, faut tout avoir. Ah, bah, faut aller les chercher, les coffres. Hein. 1, 2, 3. Le quatrième. Un manuscrit. Un fragment. Il nous reste deux secrets. Problème. On va essayer de finir ça rapidement, du coup. Sans se faire griller encore une autre fois. Même si je pense que c'est déjà mort. Et voilà, j'ai appelé les deux gardes. On va aller sur la péniche. On se barre. Et vu qu'on est un combat, on va pas pouvoir l'ouvrir, voilà. Hop, on se le fait tant qu'il est simple à faire, lui aussi. Tiens, prends ça. Oh, les mains. Et voilà. What? Ah, j'ai pris sa hache. T'as jamais vu. On peut pas ouvrir ce coffre. Non mais les gars, ils savent pas nager, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Allez, ouvre-moi ce coffre, Edward. Alors, on va essayer de chercher le dernier secret. Je sais pas, ah oui, voilà, il est là. Putain, je suis bête. Alors, il nous reste un fragment ici. Ça va, finalement, on arrive à finir cette ville. Ah, je savais pas qu'on avait tous les points, on avait toute la ville en entière. C'est plutôt bueno. Et du coup, ça veut dire qu'on doit retourner sur l'autre île et tout. Ça va être
va être compliqué. Du moins, je finis, je ferai tout dans cette vidéo, même si la vidéo durera une heure. Et voilà. Maintenant, je sais qu'on peut pas monter là. On va monter à l'arme. Il va nous faire sonner la cloche. Voilà. Donc nous nous fait noyer Yamakasi dans l'arme. Et nous, on, voilà, on entre dans le château. Putain, je sais pas du tout comment on peut y aller. Est-ce qu'il y a moyen de sauter? Ah oh, oui. Oh, c'est bon, il est... Oui. Alors là, c'est le saut que je dois pas louper, quoi. Ok, j'aurais dû sauter. Est-ce qu'il y a moyen de remonter comme ça à l'arrache? Ou est-ce que... Ouais, nickel, ok. J'espère qu'il n'y a juste pas quelqu'un qui a un flingue. Ok, lui, il a un flingue. Non. Relève-toi, Edouard. On va aller foutre une balle. Et voilà. Ok, t'en as deux, trois. Il a pris une balle perdue. Wouah, mon épée fait vraiment mal en vrai. Tac, on remonte. Troisième tentative. Donc cette fois on sait qu'il faut sauter comme un gros bourrin. Non, là je vais sauter comme un gros bourrin, je vais sauter par dessus ou pareil. Ah non. Je pensais. Excusez-moi. Déplacement rapide. Est-ce qu'on y va à pied ou on va là? Voilà. Parce que si j'y vais à pied, je vais me faire poursuivre par 50 personnes, vous voyez. Et j'ai pas envie que ce soit le cas. Donc on y va, on va chercher le coffre. Oh, j'ai fait un tab pendant que je suis en l'air, quoi. Okay, je l'ai mis à côté, c'est pas grave. Donc, faut qu'on aille là-bas. Normal, le gars il pousse les gardes. Oh merde, ils m'ont... Ils vont me suivre. Non, c'est bon, ils m'ont arrêté. Arrêté plutôt. Alors, ok, il y a un coffre normal. On va aller le prendre. Il est là-bas, je le vois. Pas moyen d'avoir un petit truc pour aller plus vite. Là. Allez, on va y arriver. Ah, mais pourquoi il s'arrête toutes les deux secondes? Allez, vitesse turbo, s'il te plaît. Ça va, le coffre, je pense qu'il a dû prendre un petit peu l'eau, quoi. 274 d'or. Il nous reste les trois coffres et on va aller là. Et le manuscrit nous prendre. On approche de la fin de Kingstone. Je sais pas, mais si vous avez fait Kingstone, je pense que c'est vrai. Vous avez eu une galerie comme moi, je pense. Honnêtement, 100% Kingstone, c'est compliqué. Wout. Je crois qu'il allait pas sauter dedans, quoi. Ça nous aurait coûté la mort. Allez, vas-y. C'est quelle péniche qu'il fallait, ça va être celle là-bas. Mais qu'est-ce qu'il est con. Peut-être je voulais pas faire ça. Ok, bon, c'est pas grave, je voulais aller le plus loin au poteau et sauter le plus loin pour pas perdre de temps. Mais du coup, j'ai sauté deux fois dans l'eau, ça fait exprès. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, c'est celui-là, putain, mais quel Jean-Kevin ce gamme. Je serais allé sur le mauvais bateau, quoi. Ah, mais ça veut dire qu'il va y avoir des méchants. J'aime pas trop ça. Bon, 60 mètres. Attention. Edouard arrive. Ouais, voilà, il y a des méchants. Il y a le monsieur avec sa carabine en haut, je pense. On va essayer de la faire en discrète. Enfin, essayer, j'ai bien dit. Pour moi, essayer, ça veut dire y aller bourrin, mais par derrière, quoi. Merde, voilà, bon, ça y est, je suis cramé. Je voulais pas faire ça. Voilà, tue ton pote, c'est magnifique. Il y a le capitaine, ça. Oh, je lui ai fait mal au ventre, je crois. Aïe. Qu'est-ce que tu vas faire? Bim, dans le genou. 100 d'or, oui.
Il nous reste 3 coffres alors. Déplacement rapide. On va aller là et on va aller chercher ces coffres. Il nous reste 3 coffres. J'ai envie de faire le table là juste pour voir qui est. Que je suis bien sûr que c'est. Les 3 coffres, ouais, normalement ça va être bon. Yep, il reste plus que les 3. Et on va finir cette vidéo du coup. Un peu longue et peut-être un peu ennuyeuse vu que je fais rien d'extraordinaire. Par un ou deux contrats et. Ah si, c'était marrant, j'ai quand même galéré pendant 10 minutes à prendre un fragment quoi. Oh là là. J'espère que. Maintenant j'ai vu que j'ai compris, je pense que j'ai compris toutes les techniques. Là, j'y vais en mode bourrin là, je l'aurais pas. Ouais. Est-ce qu'on peut au moins entrer par là? Pas avec les gardes surtout. Hein. Voilà, ça c'est fait. En plus il y a la cloche et tout. Hey, hold up. Merde putain, je n'ai planté deux. Bon les gars, vous savez quoi? Est-ce que ils vont nous suivre sur 100 mètres ou pas? Au pire on se combattra sur les lieux du. Off et ils vont normalement ils ont pas le droit de sortir de leur propriété si char voilà ok non. Ah si ils sortent bon, c'est moi je suis plus dans la zone jaune donc ils vont pas me suivre et voilà la petite caserne enfin la petite caserne la petite grotte plutôt alors on va là et on va voir Fini Kingstone enfin. J'aurais passé du temps, mais en même temps, je crois que ça doit être une des plus grandes villes du jeu, je dirais. Même la plus grande. Il y a 18 coffres. Je sais pas s'il y avait une ville avec plus de 18 coffres, honnêtement. Alors, du coup, je mets le pointeur sur le coffre. 160 mètres, et oui. Enfin, on va tout avoir. Ça me fait plaisir. Ah merde putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis encore dans une zone. Alarme, alarme. Tiens, pas d'alarme. Mais qu'est-ce que je fais quoi? Je passe en plein milieu de la plantation. Ah oh, il va me choper, voilà, ça c'était sûr. Gars normal, il se mène plus vite qu'un pirate quoi. En plus faut monter et tout quoi. Ça va, c'est pas trop. La grosse galère. Et bien sûr, il va nous dire qu'on peut pas ouvrir le coffre si on est en combat. Voilà. T'es mauvais, toi. Laisse-nous tranquille. Allez. Un coffre. Ah voilà, le sub-bruit que j'adore. Et dans le tab, on va voir Kingstone en jaune. Voilà, c'est, j'aime. Du coup, Kingstone, il est à droite ou il est à gauche? Putain, c'est pile poil au milieu. Du coup, je pense qu'on va se laisser là. Pour le coup, quoi qu'il y aura l'épave, va falloir. La quête, elle nous dit d'aller. La quête principale, j'aimerais bien savoir où faut aller pour la quête principale. Je sais pas du tout où faut aller en fait. C'est le swag le plus absolu. Ah, si, là. What? Pourquoi il veut aller là? Il y a une ville ici? C'est au bord de la map. Bon d'accord. Bon, du coup on ira là-bas dans le prochain épisode. Je crois qu'on avancera. Juste j'ai envie de regarder. Suivi de progression. J'étais à 55%. Oui j'ai fait 2% en prenant tout Kingstone. Alors séquence 1, séquence 2, séquence 3, 4, 5, 6. Fini la 7. Du coup je ferai sûrement la séquence 8 dans le prochain épisode. Mais qu'il nous reste encore 6 séquences. Il faudrait qu'on ait fini ça pour la sortie de AC5. Donc voilà, contrat d'assassin 100%, 100% les chasses aux templiers, j'en ai fait 3 sur 4. Contrat d'assassin sur 66%. Un contrat naval que 26%, mais je n'ai pas fait énormément. Lieu majeur 80%, j'ai presque tout fait, il doit rester une ou deux villes. Lieu secondaire 50%. Activité annexe, je suis qu'à 27%, dur. Fort côtier 30%. Point d'observation 64%, c'est bien. Stelmaïa 50, taverne 50 et coffre enfoui 36%. Moi ça va, du coup j'avance petit à petit, 2% par épisode. Dans le prochain on fera que de la
que du scénario sûrement. Donc j'aimerais bien finir, avancer. Surtout le scénario, parce que au pire c'est pas très grave, j'aurai pas fait tout l'annexe. Puis après on passera à C5 quand il sortira. Donc voilà, on se laisse là pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, salut tout le monde, merci d'avoir regardé.